Hello, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un chouette samedi, une chouette soirée de samedi soir. Moi, j'ai dansé hier jusqu'à 3 h du matin. Je ne sais pas si quelqu'un a été voir sur ma page Chandora. Waouh, quelle ambiance! J'adore danser, comme vous savez. Mais aujourd'hui, donc j'ai bien dormi, je suis prête. C'est la journée, une des journées les plus importantes du challenge. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles qui viennent de nous rejoindre ou reviennent rejoindre le groupe. Tout le monde qui a rejoint le challenge n'est pas forcément dans notre groupe Facebook. Donc, je suis très contente que tu es là. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, celles qui sont là depuis un petit moment savent très bien qu'aujourd'hui, il y a ce cours en ligne de Sigrun. Et donc, j'espère que vous vous êtes libérés, j'espère que vous vous êtes inscrites. Si vous n'avez pas pu faire les exercices du lundi soir et du jeudi, vous pouvez les faire encore maintenant. Ça prend vraiment pas longtemps. Un des exercices est visualiser la vision. J'ai mis ma vision ici dans le groupe où vous pouvez y mettre la vôtre, qu'on échange un peu. C'est très inspirant de faire ça. Hein. Vous allez voir ma vision à moi déjà. J'étais super, super surprise. C'était magnifique. Et je tiens cette image, ça me motive, mais c'est un truc de dingue. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à faire ça. Et l'exercice de lundi est tout aussi important. C'est pour savoir comment ta vie, elle tourne. Tu connais peut-être The Wheel of Life, la roue de la vie. Beaucoup de coachs connaissent ça et utilisent ça. Mais je trouve moi-même aussi, je trouve que je l'oublie de le faire pour moi-même. Et donc, si quelqu'un me guide et je prends un papier et je note, je vois les domaines dans lesquels il y a quand même moyen d'équilibrer la chose. Et donc, je t'invite à faire ces deux exercices si tu as un peu de temps. Le cours de Sigrun commence à 15 h. Et donc, il faut s'inscrire pour cela. Je voudrais partager avec toi, j'ai reçu aujourd'hui l'email qu'elle a envoyé de rappel. D'ailleurs, je vais vous envoyer un rappel d'email aussi maintenant et un peu avant parce que je ne veux pas que vous ratiez ce cours. Même si vous ne pouvez vous libérer que partiellement, il dure 3 h. Ça vaut la peine de vraiment au début. Sigrun va certainement, j'ai déjà fait ce cours, mais chaque fois elle change un peu, chaque fois elle rajoute des choses et c'est chaque fois quelque chose d'extraordinaire. Elle va expliquer clairement où on est, le voyage quand on est entrepreneur, le voyage quand on a un projet et on veut devenir, avoir du succès. Qu'est-ce que c'est d'avoir des succès? C'est de pouvoir donner, faire le cadeau de notre don au plus de gens possible parce que ça nous enrichit. Comment je vais dire ça? Voilà, je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois quand Sigrun m'a interviewé et ce que j'ai vraiment senti. Ça remplit mon cœur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que cela? Moi, je sens qu'avant, je faisais un travail pour gagner ma vie, je faisais un travail pour faire vivre toute la petite famille, enfin, j'ai 4 enfants. Et ce travail, mais il me pompait, j'allais avec des piliers de plomb, j'avais des très gentils collègues, c'est pas ça. Mais ça ne remplissait pas mon cœur, je rentrais, mon cœur était vide, je rentrais et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui a un sens pour moi? Et ben, il restait rien comme temps, il restait rien comme temps pour moi. Et à un moment donné, ben, je me suis écroulée. En fait, je pense que quand on vit comme ça, sans remplir son cœur, sans remplir sa mission de vie, et je mets ça entre guillemets parce que la mission de vie, c'est un gros mot, tu peux avoir l'impression de ne pas l'avoir trouvée et puis tu te dis, mais c'est quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est ta passion, ce que tu adores faire, ce que tu aimerais faire, tu le sais déjà. Ton cœur le sait et l'important c'est de commencer à faire les choses. Et puis après, le chemin devient parfois vraiment dur parce qu'on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien de la famille. C'est même souvent vraiment l'inverse. Ils ne veulent pas que tu bouges. Ils veulent pas que tu bouges. Ils veulent que tout reste tel quel. Que ton cœur soit rempli et que tu dis si je meurs demain, je peux. Personne ne le voit à part toi et personne ne le sent à part toi. Et donc, du coup, les gens qui t'entourent, ils ont juste peur pour toi. Ils veulent juste que tu bouges pas parce qu'ils te disent, elle vit, c'est OK. Sauf si tu t'écroules et tu pleures, ils vont t'envoyer peut-être chez un psy. Et la raison, c'est que moi, mon cœur n'était pas rempli. Et depuis 1 an et demi que je travaille avec Sigrun, c'est vrai que j'ai travaillé, mais j'ai appris à comment faire. C'est elle qui m'a appris à voir clair où je suis. On va dire comme ça, où je suis, où je veux aller. Et elle m'inspire. Et la communauté dans laquelle je suis chez elle, ça m'inspire, ça me porte,
Ça, comme vous, ici, dans les porteuses de projets, dans le groupe, je vous ai dit, c'est une sororité. Et c'est notre rôle ici de nous porter mutuellement et d'aller voir qu'est-ce qui est ton business, qu'est-ce que tu pourrais présenter autrement, ou comment ça, voilà, faire vraiment de mutuellement se soutenir. On en a tellement besoin. Ce chemin pour remplir, enfin, pour faire ce que ton cœur te demande de faire n'est pas toujours facile. Parce que beaucoup d'êtres humains ne le font pas. Beaucoup d'êtres humains sont résignés. Et toi et toutes celles qui sont ici et moi, on est là pour, je vais dire un grand mot, pour illuminer la vie des autres. Tu as quelque chose, un trésor, c'est précieux et tu as besoin, le monde a besoin de toi. Je suis convaincue de cela. Je suis avec toutes les femmes avec qui j'ai parlé, donc je suis convaincue que le monde a besoin de toi. Mais la seule chose que tu dois apprendre maintenant, c'est comment faire. Comment faire pour que je puisse être visible, pour que je puisse grandir, je puisse briller, pour que les autres soient inspirés. Moi, j'ai ça. Et je suis longue ici, mais ça, voilà, je fais toujours, je me mets à vous parler là, et puis ça sort comme ça. Maintenant qu'on a ce nouveau challenge, c'est pas mon premier challenge que je fais, je crois que je le fais un peu différemment pour celles qui me connaissent. Et je dois te dire que ma mission de vie, enfin, mission de vie, hein, ma méthode, mon truc, la vision que j'ai eue de ce que je vais vraiment faire a commencé en 2015, en septembre. Ça fait 4 ans. Et j'avais pas de soutien, je me suis lancée dans tous les trucs que je pensais qu'il fallait faire, j'ai perdu de l'argent et du temps. Puis j'ai acheté un programme de marketing pendant 2 ans et ça m'a coûté 3 000, 3 500 euros. Je me dis, Goudron, il faut investir là. Et c'était du temps et de l'argent perdu. Je peux te dire que j'ai eu tellement dur à jeter ça à la poubelle. J'ai fait tout, tout, tout ce qu'il y avait là-dedans et j'ai pas eu de clients. Et donc, c'est super important d'avoir une sororité, d'avoir un support, savoir quel est le chemin. Et c'est justement ça que si Grun va tous dans ce cours de 3 heures, elle va coincer ça dedans d'une manière tellement claire que tu vas dire, ah oui, c'est là où je suis. Ah oui, c'est ça que je dois faire. Et puis, ça, c'est la première partie. Je te dis, je n'ai pas vu encore ce cours, donc comment elle le présente cette fois-ci, mais j'ai une idée. Et donc après, elle t'enseigne à vraiment, mais avec comme une businesswoman, avec une feuille Excel, tu la reçois d'ailleurs, on va partager mon écran que je te le montre, où tu peux mettre tes chiffres dedans. Et si tu n'as pas de chiffres, moi au début, je n'avais pas de chiffres quand j'ai commencé avec elle, je n'avais pas de chiffres, je n'avais pas de clients. J'ai visionné ça, j'ai inventé les chiffres. C'est OK ça, parce que tu as un plan du coup. Et tu peux voir, tiens, mais je suis pas du tout dans mes chiffres. Je sais, parce que qu'est-ce que c'est ces chiffres? Tout le monde ici qui a déjà son business le sait très bien. Tu dois payer ton loyer à la fin du mois ou au début du mois. Et tu dois payer ta nourriture et tu vois où ça en est. Parfois, je fais, en tout cas au début, je faisais l'autruche, mais l'inconscient est parfaitement au courant de tes chiffres, c'est tu sais pas faire l'autruche. Et ça crée de l'angoisse. Et donc, on commence à pas aller bien. Ce qui fait, donc, quand tu as un plan et que tu peux remplir ce plan chaque mois, tu sais où tu vas. Et alors, ça te donne une clarté. OK, je dois donner de l'action là, où, là, ou qu'est-ce que je dois faire. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, c'est comme une carte. Quand tu te trouves dans une nouvelle ville, un nouveau pays, premièrement, tu dois savoir où tu es. Deuxièmement, tu dois savoir où tu veux aller d'ici 90 jours, pour 90 jours hein, pour les Français. Moi, je suis allemande et j'adore de dire 90, je trouve ça plus facile. Bref, oui, Sigrun va nous donner une stratégie de 90 jours pour doubler nos résultats. Quoi que ce soit, ces résultats, c'est toi qui vas les décider. Donc, je trouve que ça vaut de l'or. Moi, je fais ça 2 fois par an avec elle et j'en ai besoin. J'en ai besoin là où je suis maintenant. Je fais le challenge avec vous, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais faire d'ici la fin de l'année et qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Si je n'ai pas cette vision, moi, dis ça, combinée avec un plan, je ne sais pas avancer. Et je, je, je
Je pédale dans la choucroute, on dit ça. Ok, je vais vous partager ici cet email que j'ai reçu. Donc, je t'invite à t'inscrire à ce stage, à ce mini-cours. En tous les cas, même si tu ne sais pas participer pour toute la durée, même voilà, si aujourd'hui, oui, moi aussi, aujourd'hui, je suis à la mer du Nord, il fait beau, j'ai envie de me promener à la plage, mais j'ai, voilà, j'ai envie. Que toi tu puisses profiter de cela. Et ça se présente aujourd'hui, ben c'est comme ça. Les choses se présentent, les occasions se présentent quand ils se présentent. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas toi qui décide. Donc ce cours est une vraie occasion. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aller promener avec mon chéri sur la plage. Je ne vais pas aller nager, je ne vais rien faire de tout ça. Je vais m'occuper de vous. Donc vraiment, j'ai cette volonté, ce dévouement. Donc j'espère que c'est mon cadeau ici vraiment pour vous toutes. J'espère que vous allez en profiter. Alors, je partage mon écran. Et j'espère qu'il y a du son. Hier, il n'y avait pas de son. Je n'ai pas vérifié, sinon je vais tout recommencer. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Alors, l'email que j'ai donc reçu, Today is the day. If you missed the preparation trainings for today's class, you can still watch them before we get started in few hours, à 3 heures. After today's class, you will have clarity on the three key things you need to focus on to double your result in the next 90 days. A 90-day strategy that translates your vision into clear steps on what to do next in your business. Quand même super intéressant. The numbers in your business so that you can decide which serves to prioritize and how to price them. Donc, mettre un prix sur vos services. Je pense que ça, ici, j'ai vu vraiment comment les réponses que vous avez données pour vous inscrire ici au groupe. Il y en a beaucoup ici dans le groupe qui ont vraiment besoin de savoir quel prix mettre là-dessus. And you'll get a behind-the-scenes look into how to take a business from zero to six figures in 12 months and then how to take a business from zero to seven figures in 4 years. Donc, les Anglais sont toujours très marrants, je trouve, avec les figures, six figures et seven figures. Sigrun a commencé, je pense, en 2014. Oui, elle va raconter certainement un peu son histoire, mais elle a bien fait les choses. Elle a vraiment gagné tout de suite 100 000. Combien c'était? Attends. Bah, elle va te le dire. Là, moi, je ne me rappelle plus combien c'était. Et là, maintenant, elle est avec un business de plus qu'un million. Et moi, je la trouve très inspirante, même si moi, je ne veux pas avoir un grand business comme ça. C'est pas ça mon but. Mais de savoir qu'avec ce qu'elle fait et comment elle le fait surtout. Parce que le comment m'intéresse très fort, de savoir qu'on peut vraiment arriver à avoir la liberté financière. Et je pense que ça, c'est le minimum que tout le monde ici dans le groupe souhaite avoir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand on. Donc, elle a de l'expérience et ça, je peux te garantir, c'est qu'elle enseigne, ça vient vraiment d'un vécu qui n'était vraiment pas facile au début. Hein. Elle a vécu plein de choses. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, tu vas t'inscrire, après, tu downloads le worksheet. Tu vas recevoir un Google Budget Sheet, génial, celui-là, c'est la base de ma comptabilité, franchement dit. Join the Facebook Group, donc il y a un groupe à elle, international, super ambiance dans ce groupe, beaucoup de partage. Ce groupe est temporaire, hein, donc comme ici le challenge, donc c'est vraiment super de pouvoir se mettre là-dedans et partager les choses avec les gens là-bas aussi. Et puis, alors, de 3 à 6, nous avons Click here to join this 90-day strategy. Donc, ce 90-day strategy cours est aujourd'hui sur Zoom. Attention, il n'est pas dans le groupe Facebook. Il est dans un Zoom. Pourquoi? Parce que comme ça, elle peut être totalement interactif. Elle va vous voir dans le Zoom. Nous allons tous chatter. Tous mettre nos résultats, nos réflexions, et puis elle prend deux, trois personnes selon le nombre et le temps, comment ça avance, pour les coacher carrément sur leur business. C'est un truc de puissant. Et quand elle coach quelqu'un d'autre, moi, j'apprends toujours pour moi. Voilà. Donc, je vous invite à faire ça et mettez-moi ici un commentaire si vous êtes dedans, si vous êtes dedans, et qu'on se voit ensemble là. Donc, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. Je vais un peu dans le groupe faire différents sondages pour qu'on puisse mieux commencer à se connaître, à s'échanger aussi sur les expertises qu'on a. Dernière chose que je veux dire dans le groupe, parce que je sais que dans un groupe de business coaching, c'est différent que quand je travaille sur le féminin sacré, la confiance en soi.
dans ces autres groupes que j'ai, on a des tonnes d'échanges et vraiment. Et ici, dans un groupe où c'est le business coaching, tout le monde est frileux. Et je sais pourquoi. Une des raisons, c'est que on a un manque de confiance en soi et on se dit, qui suis-je? J'y suis encore nulle part. Ou on dit, mais j'ai tout ce qu'il faut et je fais rien. Et ça nous bloque. On se dit, mais non, moi, je veux, non, 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 je vais rien faire. Et l'autre chose, donc ça, c'est un côté, c'est manque de confiance en soi. On se dit, mais qu'est-ce que je vais apporter à ce groupe? Et croire qu'on peut rien apporter. Et ça, c'est totalement une illusion, c'est une croyance qui te bloque. Donc, je t'invite de profiter de la sororité pour mettre tout ça, toutes ces idées qui sont dans ta tête à l'épreuve et de contribuer, de mettre un like, de mettre un commentaire et d'être là. D'être là. Si tu veux faire quelque chose dans ce monde, tu dois répondre présent. Tu dois faire une action. Et la première que tu peux peut-être faire, si tu es bloqué, si tu es triste, si tu te sens déprimé ou bloqué, où tu es au début, tu n'as aucune dans le brouillard, c'est de participer ici. Je t'offre cette sororité, fais-en quelque chose. Je sais que te pousser, après c'est toi qui dois faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et la deuxième raison, c'est ce que nous croyons, que quelqu'un va nous voler notre business. Quelqu'un va être meilleur que nous. Quelqu'un, oui, va nous voler ou nous prendre tous nos clients. Parce que je me montre et cette personne se montre et elle fait la même chose que moi. Et ça, c'est aussi encore une croyance qui est vraiment. J'ai eu ça quand j'étais au début. Maintenant, ça commence à vraiment tomber. Cette peur, en fait, que je sais que je suis pas encore aussi loin que tel et tel et tel et tel. Et j'ai donc peur que tous mes clients potentiels vont aller chez cette personne. Et c'est normal d'avoir cette peur. Et c'est OK. Mais juste savoir qu'on a cette peur et après savoir que toi, tu es totalement unique. Toi, ton énergie, ton vécu, ton expérience, ton visage, ta manière de parler, ça va attirer les personnes avec qui toi, tu veux parler, tu veux travailler aussi, hein. Tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Hein. Il y a des longueurs d'onde. Et donc, ça se fait naturellement. Et je pense qu'avant qu'il y ait saturation de marché, on peut vraiment, vraiment y aller. Ça n'a pas encore lieu. Et je serais heureuse s'il y avait une saturation du marché parce on serait arrivé à changer le monde. Allons-y. Et là, il va y avoir un autre, il va y avoir autre chose qui va se présenter, ce qu'on va faire ensemble. Donc, ces deux choses-là, mets-les à l'épreuve ici, dans le groupe, des choses qui peuvent te bloquer pour participer et participe. C'est là que la magie va opérer, c'est là que ton développement va opérer et c'est là que tu vas bénéficier de ce groupe que je t'offre. Donc, bienvenue à tout le monde qui est nouveau et les anciens et je voudrais bien vous voir beaucoup plus actifs. À tout à l'heure dans le groupe, d'accord, dans le cours.